Les docteurs non recrutés se sont réunis aujourd'hui à Abidjan. Monsieur Adama Diawara, en ce jour, a encore convoqué certains docteurs victimes de la précarité pour faire semblant d'échanger avec eux. L'autre page Facebook qu'il a confisquée depuis environ une semaine leur sert maintenant de relais pour passer leurs informations, pour dire « Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Adama Diawara est dépassé. Monsieur Adama Diawara est dépassé. La question est lourde pour lui. » Après la rencontre d'Abidjan, nous voudrons rassurer tous les docteurs que le collectif ne se sent point concerné par ce simulacre de rencontre. Nous exigeons la suppression de la composition sur table. Nous demandons le décret pour l'insertion socio-professionnelle de tous les docteurs. En ce jour, vu que M. Adama Diawara ne semble vouloir fournir aucun effort pour faire des propositions concrètes, nous réitérons sa démission pure et simple. Dès ce vendredi, nous allons reprendre nos actions de terrain. Nous allons reprendre à brûler les terres que nous avons encore sous la main. Excellence, Monsieur le Premier ministre, certains docteurs semblent avoir l'impression que comme plusieurs membres du gouvernement n'ont pas leurs enfants en Côte d'Ivoire, on ne veut pas se pencher sur cette question. Les enfants de pauvres que nous sommes, nous vous interpellons. Le collectif des docteurs rappelle à l'opinion nationale et internationale que les 4, 5 et 6, tous les docteurs non recrutés de Côte d'Ivoire seront à Yamoussoukro pour la grève de la faim. Nous invitons tous les docteurs à se mobiliser pour montrer à la face du monde la situation honteuse qui est infligée à l'élite en Côte d'Ivoire. À demain pour Daloa, à vendredi pour Boaké. Haut les cœurs, haut les cœurs, haut les cœurs. Je vous remercie.